Get out my phone, bad vibes. Sorry, said she attracted to bad guys. Only thing that matter, Lily, back lives. Take her to the block just to see the shot vibe. We don't even bother, you trying to be my wife. You broke and you 30, just go, we start live. You think he can finesse me cause I'm being nice. If he ran down on me once, then he won't do it twice. Et salut à tous, c'est Chris Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, j'ai trouvé un véhicule très bizarre. Donc je sais pas si c'est un nouveau véhicule qui est pour les futurs DLC ou autre chose. Mais ce véhicule que j'ai en ce moment, il est vraiment très bizarre. Car en 10 ans de jeu, j'ai jamais vu ce véhicule. Donc vous allez me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ce véhicule. Mais moi personnellement, ça fait 10 ans que je joue à ce jeu, j'ai jamais vu ce véhicule. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et sur les potes, let's go. Donc voici le véhicule que j'ai trouvé dans la rue à Los Santos. Donc il y a des petites planches à l'arrière et tout. Donc j'ai jamais vu ce véhicule. Donc c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Moi personnellement, j'ai jamais vu ce véhicule. C'est la première fois que je le vois, hein. Mais en tout cas, j'ai déjà vu ce type de camion. Mais ce qui porte à l'arrière, la forme et tout, c'est vraiment la première fois. En plus, il y a deux numéros de téléphone. Donc on va essayer ça ensemble. Donc je vais aller sur le contact téléphone. Donc c'est 555 01 42. On appelle. Donc on va bien voir qu'est-ce que ça donne en termes de numéro. Ah, ça raccroche pas, ça marque pas occupé. Merci de votre appel, pour connaître l'heure. Ok, faut aller sur le site internet. Ok. Et si je fais l'autre numéro? C'est bizarre, ce véhicule est bizarre. J'ai jamais vu ce véhicule. En 10 ans, j'ai jamais vu. 0, 1, 5... 4. On appelle. Ça sonne. What? Hein? Comment ça inconnu? Je me demande, est-ce que c'est pas un véhicule pour le prochain DLC ou un truc comme ça? Je sais pas du tout, hein. Le véhicule est vraiment bizarre. Comment s'appelle le... Il s'appelle Johnny Saf. Pire. Ouais, je crois que c'est ça. On va bien voir. Alors, je vais appeler Johnny. Alors, c'est J-O-N-N-Y. Plus loin. Ça. Oula. Ah, je sais plus comment il s'appelle le truc. Bon, j'appelle comme ça pour voir. Alors, est-ce que je vais le voir? Mais non, je vois pas. Hein. Mais c'est quoi ce type de véhicule, wesh? C'est quoi ce type de véhicule? Attends, c'est le nom que je ne me rappelle plus. Alors, il s'appelle Sapir. Attends. Comment s'appelle le véhicule? Ouais, je comprends pas. Comment s'appelle? Sapiro. Ouais, Sapiro, je crois. Hein. Johnny Sapiro. Ok, on va bien voir. Johnny Sapiro. Allez, c'est parti. On va bien voir ça ensemble. Alors, boum, J-O, Johnny. Plus loin, ça. Pi-ro. Je crois que c'est ça. Hein. Je sais pas si j'ai mal écrit. Ah non, il n'y a aucun. Mais pourquoi ça me dit d'aller sur le site internet? C'est quoi ce type de véhicule? Gaz spécialiste. Attends, je regarde encore. En fait, il faut que j'ai beaucoup de détails par rapport à ce véhicule. Puisque là, j'ai aucune information. Hein. Wesh, il s'est passé quoi là? Oh, wesh. Alors, boum. Alors, c'est gaz. Plus loin. Spécialiste. J'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, le véhicule est bizarre. Ok, il fonctionne pas. Ok, alors, si je fais aléatoire tout le temps, ça donne quoi? Non. Ok, si je refais encore.
En fait, faut que je trouve le site, hein. Parce que ce véhicule est vraiment bizarre. J'ai jamais vu ce véhicule. En tout cas, vous allez me dire dans les commentaires si vous connaissez ce véhicule, etc. Puisque moi, j'ai aucune idée, j'ai aucune information sur ce véhicule, hein. C'est vraiment la première fois que je le vois. Le véhicule est extrêmement bizarre, hein. J'ai jamais vu ce véhicule. J'ai déjà vu des véhicules comme ça, genre il y a des véhicules qui peuvent nous faire monter, des véhicules qui ramènent des brouettes, etc. Mais ce véhicule qui ramène des planches en bois, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai vraiment, vraiment jamais vu ça. En plus, je l'ai trouvé ici, hein, à Vinwood. C'est ça le pire, c'est que c'est à Vinwood que j'ai trouvé le véhicule, hein. C'était un PNJ qui roulait avec, mais c'est vraiment, vraiment la première fois que je vois ce véhicule. Donc, comme je dis encore, vous allez me dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu ce véhicule? Puisque là, je suis vraiment. Là, je réfléchis depuis tout à l'heure. En tout cas, un petit dédicace pour Occupant Cru Nuit, le frérot, franchement. Donc, bien sûr, je vous dis en avance que le projet de 2024 de ma chaîne YouTube, ça va commencer. Donc, vous n'êtes pas prêts. Des expériences incroyables. Mais quand je dis incroyable, c'est vraiment incroyable, explosif. Tout ce que vous voulez, du délire, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Il y a aussi tout d'abord la présentation de la team Chris Boy officielle. Oh, mais ce véhicule, franchement, c'est... Waouh. Regardez l'intérieur en plus. Et le plus encore, c'est le petit truc qui est juste ici. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est un plan ou si ce sont des missions et... des trucs. Ah, c'est peut-être une livraison, quoi. C'est sûrement une livraison. Est-ce que c'est pas du genre un véhicule qui est par rapport pour le DLC de la casse? Non, je pense pas quand même. Je pense pas, hein. Je pense pas du tout, hein. Enfin, bon. Déjà, ce véhicule, on peut pas le customiser. On peut pas non plus le mettre dans notre garage. Attends, je vais voir tout de suite pour voir si on peut le mettre. Parce que en vrai, j'ai pas encore essayé. J'ai déjà essayé pour entrer dans le LS Custom, mais pour le mettre dans le garage, j'ai pas encore regardé. Donc on va bien voir ça tout de suite. Mais je pense que ça va refuser comme d'habitude, hein. Mais on sait jamais, hein. Ça pourrait être une surprise. Mais si en tout cas les potes, le véhicule est sorti, moi je l'ai vu en avance, hein. J'ai vu ce véhicule en avance, hein. Voilà, c'est clair et net, hein. Clair et net, for sure. Oh là là, mais c'est tout bizarre, ouais, j'ai jamais vu ce véhicule, hein. C'était un truc de ouf. Attends, on va voir ça. Alors, est-ce que on peut ramener ce véhicule dans le garage? Non. Ok, bon. Ok, ok. Bah voilà les potes, hein. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont déjà vu ce véhicule. Bien sûr, hein, c'est pas les véhicules vraiment en mode oui, j'ai déjà vu des véhicules comme celui-là. Mais je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu ce véhicule, ce type de véhicule avec la petite truc à l'arrière, la petite planche en bois là, à l'arrière? Franchement, c'est la première fois, hein. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment la première fois. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche et de partager. Et bien sûr les potes, pour cette année, on va faire un gros objectif direction les 10 000 abos. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? De toute façon, j'ai confiance en vous et je sais qu'on peut le faire. Donc voilà. Donc sur ce les potes, moi je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao.